Moi, c'est plus un road trip, là, mais bon. Ouais. Mais dans le fond, mon amoureux, Jerry, va nous porter à Québec, à l'aéroport. Puis on va aller prendre. Avec mon ami Kelly, ça te dérange pas que je te. Allô! Oui, je suis contente. Puis après ça, nous, on va prendre l'avion à 1h30 d'après-midi, mais on va être là comme 3h à l'avance. Puis ça, on va être là vers 11h25. Puis à partir de là, on va arriver à Toronto. À Toronto, je loue une auto. Puis on va comme partir au Chinegara. Fait que je vais vous emmener avec nous dans notre voyage de la semaine. On termine ça le jeudi 1er juin. Ça passe assez vite. Mais ça va vraiment être un bon voyage. Fait que je suis vraiment contente de vous emmener avec nous. Ça va être comme hot pour eux de voir comment ça marche tout aussi. On va avoir des trucs à raconter. Ça va être une bonne journée de tournage. Pour vrai, je pense que c'est normal pour les gens n'importe qui d'avoir un stress. Mais c'est quelque chose là. Puis là, déjà là, l'apprendre de Québec c'est quelque chose, mais l'apprendre de Toronto ça va être autre chose, là, mais qu'on en rien. Fait que c'est des belles expériences intenses. Mais là, on est dans l'avion, c'est cool. Ça ressemble à ça. Le commandant et de son équipage, Porter vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol. Un agent de bord s'apprête à faire une démonstration. Pareil, excuse-moi, j'attends de couper.
a comme loué notre auto. Sauf qu'il y a eu un problème, il n'y avait pas réservé d'auto pour une petite auto comme j'étais supposée avoir. Il n'avait pas pensé qu'il fallait payer cela là. Fait que là, ils m'ont donné une grosse dame. Le Chip Kelly, là, tu vas pouvoir le montrer. Là. Une méchante dame, là. Fait qu'une chance que j'avais conduit ça dans mon jeune temps. Quand je travaillais au ménage, sérieux, j'aurais capoté, là, pas savoir quoi faire. C'est sûr, j'aurais voulu une petite auto, mais ils vont nous en donner une. L'échanger, genre lundi, là, il va falloir aller à. Je sais pas comment baisser les choses, par exemple. Puis, il va falloir aller l'échanger. Mais là, j'ai pas le choix. Fait qu'on va se débrouiller. Je vais comme baisser ça. Je vais trouver comment baisser le chauffage, puis après ça, on va partir. Bref, mes grands-parents! Ouais, ben ici à Toronto, les cyclistes roulent en plein milieu des autoroutes, genre ils briquent devant toi. Fait que si un jour on tue quelqu'un, ben ça sera pas de notre faute, là, checker. Ils sont en plein où c'est les voitures. C'est fou à quel point les gens sont tellement pas stressés ici, on aurait dit. Non, c'est pour ça qu'il faut conduire, je pense, très lentement. Je conduis à Toronto, gang. Ça va vraiment bien. Ouais, à date, elle se débrouille vraiment super bien. Même si les gens sont un petit peu bizarres ici, là, parce que genre tout le monde a de l'air no stress, là. Checker ça! Elle s'en sort avec sa minivan. Ben oui. Là, la limite de vitesse, c'est quoi? 60? Oh, ben. Ah, c'est vraiment cute, le mini, genre, la mini passerelle en haut, là. Oui. Mais là, je vais comme faire attention pour pas brûler un stop. J'ai vraiment pas envie d'avoir de contravention. Non, non. Mais même si tu roules genre 10 km en bas, là. Ouais, y a personne. C'est pas la fin du monde. Nope. Non, c'est correct, c'est juste ma sacoche qui est glissée, là. Ah, ouais, il y a vraiment une grosse file, là. La personne, elle m'a quand même laissé passer, c'est mieux qu'à Montréal, là. Non, à Montréal, t'aurais à Montréal. Foncé dedans, genre, pis t'aurais klaxonné. Genre, je peux pas te laisser passer. Hey, c'est tu fou à quel point. Tu filmer, ah, oui. Attraction à longueur d'année. Des arcades. Burger King.
J'ai pris, dans le fond, ce que je prenais quand ça existait dans notre coin. Là, c'est genre un peu comme un burger de poulet, mais en long. C'est vraiment bon avec des frites. Puis un coke, ça nous a quand même coûté 12$. C'est quand même cher. Puis tout est vraiment proche, là, notre hôtel est vraiment proche. Puis c'est le fun, ça j'aimerais ça aller le faire là-bas. Ça aussi, hey, ça va vraiment nous coûter un broken jump, mais ça va être vraiment un trip de malade. Ah, ça a vraiment des petits bras! Oh my god! Oh, mais toi, t'es mini! T'es toute petite! Ça rentrait! Hear your fortune from Zoltar. Ah, yes, it looks like today must be your lucky day, for I see relaxation in your future. Have no worries about your troubles, my friend. Zoltar has wisdom enough to conquer them all. Surrender to me your treasure, and let me tell you more. Hello, tout le monde. Je voulais juste vous dire bonne fin de journée. Nous, on est genre vraiment brûlés. Là. Il est comme 11h30 soir, puis ça a été une bonne journée. Fait que là, on a comme profité un peu de d'une activité comme en fin de soirée. Fait que là, on va vous dire à demain.